Eh bien salut les amis, c'est Kermando et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars et j'ai les yeux explosés, je viens de pleurer parce que je viens de perdre sur Brawl Stars et ça m'énerve. Non c'est pas pour ça, c'est parce qu'en fait je suis encore enrhumé, genre ça m'énerve, ça fait 3 semaines que je suis enrhumé sans arrêt, ça me saoule et donc je vais essayer de ne pas tousser durant cette vidéo, enfin de pas éternuer, même si c'est pas moi qui décide. Mais ça m'énerve, genre je sais pas si je suis vraiment enrhumé ou si je suis pas allergique à quelque chose, j'en sais rien du tout. Mais c'est insupportable, je vous le dis. Puis en plus ma voix, ok bref c'est pas grave. Alors j'ai pas lâché Brawl Stars, genre depuis que j'ai commencé à y jouer dimanche, j'y joue tout le temps, je kiffe ce jeu. J'ai 372 trophées, certains diront que c'est peut-être beaucoup, moi ça me paraît beaucoup, certains diront peut-être que non, moi en 3 jours j'ai réussi à en avoir 3000. D'accord, pas de soucis, je joue à d'autres jeux, hein. je joue pas que à ce jeu, mais je kiffe quand même, j'aime beaucoup. Dans tous les cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, on fait une deuxième vidéo maintenant, je sais pas quand est-ce que sortira la troisième, mais en tout cas je vais en faire une maintenant. Parce que je vais ouvrir des boîtes avec vous. Et en fait, y a un truc qui m'a vraiment décidé à faire la vidéo aujourd'hui. C'est que y a bientôt la fin en fait du pack de bienvenue. Et on m'a dit qu'il fallait l'acheter. Enfin, on m'a dit, c'est pas obligé bien sûr. Mais on m'a dit, si tu veux bien commencer, achète ce pack. Genre, t'en auras pour ton argent. Après, on m'a dit que c'était peut-être pas la peine de payer tout le temps. Genre à chaque événement comme sur Pouni Pouni. Mais le welcome pack, voilà, il coûte un peu moins de 5€. Il y a quand même 2 mégaboîtes, 170 gemmes. Donc il paraît que c'est bien. Je sais pas, hein, ça se trouve c'est pas bien, mais je vais le faire quand même. Un autre truc aussi, j'ai ouvert un club, sauf que le club il est déjà complet. J'ai partagé le lien du club sur Discord, j'ai un Discord, hein, le lien il est dans la description de la vidéo. Et c'est là que je poste souvent les annonces en rapport avec la chaîne, donc c'est là que j'ai posté justement le lien du club, et genre il a été complet assez rapidement. Et il y a des gens qui sont quand même assez chauds, hein, genre Potiron, Dark Kiwi, ITZ Crystal, Coren Colo, ITZ Max, Matisse et KG. Ils sont quand même pas mal forts, hein, regardez, surtout Potiron avec ses 8000 trucs, enfin ses 8000 trophées, c'est quand même assez ouf. Hein. Enfin bref, alors... On va ouvrir les méga boîtes pour finir. D'abord on va ouvrir les 13 petites. Ensuite on va ouvrir la super. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois que les bleus c'est des boîtes brawl. Les violettes c'est des super boîtes. Et après j'achèterai les 2 méga boîtes. Donc bref les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus pour me souhaiter bonne chance. J'espère que je vais avoir des bons brawlers. D'accord. Ça c'est pas ouf. Mais C'est le début. Alors vous m'avez dit, je sais pas si c'est vrai, mais vous m'avez dit que dans toutes les boîtes, on peut avoir des brawlers. Genre, même les petites boîtes bleues, tu peux en avoir. Il y a moins de chance, mais tu peux. Par contre, vous m'avez dit que plus tu ouvres de boîtes sans avoir de brawlers, plus tu as de chances d'avoir de brawlers dans une nouvelle boîte. Donc, ok, si c'est ça, bah, je trouve que c'est justement cool. Sauf que c'est bien cette façon de faire le hasard, ça fait que plus t'en ouvres, plus t'as de chance d'en avoir, donc en fait plus t'as envie d'en ouvrir, contrairement à Pouni Pouni, où Pouni Pouni au final tu peux payer 2000€, bah en fait t'as pas plus de chance quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Alors ouvrons celle-là. Des pièces. Les pièces, j'avoue que j'ai pas tout à fait compris à quoi ça servait en fait. Enfin j'ai l'impression que... Enfin, je sais, ça sert pour les points de pouvoir, mais genre ça sert à autre chose, parce que si c'est que pour augmenter les pouvoirs de nos persos, bah disons que c'est pas ouf quoi. Enfin c'est cool, mais j'ai pas l'impression que ce soit ouf. Oh, pas mal, 50 pièces, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut que j'aille me moucher. Oh, doubleur de jetons, ah c'est cool. Ah, ça tombe bien, mais il faut que j'aille me moucher. Ah bah non, j'ai ouvert la boîte suivante, mince. Ok, 46 pièces, mais attendez, mais j'ai beaucoup de chance, c'est ouf. Waouh! Je sais pas à quoi ça sert les tickets d'événement, mais c'est cool. Mais attendez, mais non, mais c'est parce que par erreur j'ai ouvert la super boîte. C'est pour ça en fait. L'écran de mon portable il est super sensible et donc ça m'arrive de cliquer sur le côté sans le faire exprès. Bon, c'est pour ça que j'ai eu autant de bonnes récompenses. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on verra les méga boîtes tout à la fin. Ça, je peux pas les ouvrir par erreur quand même. Ça faudrait le faire. Bon, ce serait bien d'avoir au moins un perso quoi. Enfin, genre, si j'en ai pas 3000, ça me va, mais si j'en ai un. Ça m'irait, quand même. Boule, ok.
très bien. J'ai aussi bien lu vos conseils dans les vidéos précédentes. Enfin, dans la vidéo précédente, vous m'avez dit que quand je commence à jouer, c'est bien de ne pas jouer toujours avec le même perso, mais d'augmenter un peu les rangs de tous les persos. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Bon, c'est que les persos que j'ai, hein, j'en ai pas énormément, mais c'est ce que j'ai commencé à faire. Poco, je le trouve super mignon, super stylé, mais je le trouve pas si fort en fait. Enfin, en même temps, c'est un healer, donc c'est normal qu'il soit pas fort vu qu'il soigne ses collègues. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai toujours du mal à jouer les healers. Quels que soient les jeux, les healers, j'ai toujours du mal. Donc c'est pour ça que Poco, pour l'instant, je m'en suis pas trop servi. Bartaba, je l'aime bien. Hein. D'ailleurs, Bartaba, si vous liez en cliquant là-haut à droite, si vous liez votre Supercell ID, vous débloquez gratuitement Bartaba avec un skin. Donc celui-là, le skin sorcier. Ce qui est plutôt cool. Bref, on continue. D'accord, 17 pièces, c'était pourri. Mais il y en a beaucoup que je vais pouvoir augmenter de niveau, c'est cool ça. Après, je dois augmenter tout le monde ou je dois en augmenter que ceux avec lesquels je... que ceux que je préfère. Ça, j'ai pas tout à fait compris parce que pour l'instant, des pièces, j'en ai énormément. Mais je pense qu'à un moment ou un autre, des pièces, je vais en manquer. Enfin, genre, c'est souvent comme ça dans ce genre de jeu. Au début, t'as trop plein de pièces, puis à un moment, genre, ça devient effectivement un petit peu plus problématique. Ok, c'est nul. Ouais. En fait, dans ces boîtes-là, on gagne forcément des pièces, puis deux trucs de pouvoir. Non, vous m'avez dit qu'on... Non, quittez. Non, j'ai fait une partie par erreur. Bon, je vais la faire, ok. Mais c'est trop sensible, cet écran, c'est trop sensible. C'est n'importe quoi. Non, je vais la faire quand même. Mais après, je repars sur le truc. Ah. Non. Alors, vous m'avez dit que pour... qu'on gagne des vies plus vite quand on a toutes nos... toutes nos balles de chargée. Donc, j'essaye de faire gaffe à ça, mais c'est vrai que des fois... je me gourre un peu, je suis d'accord. Non. Pas mal. Est-ce que ça vaut le coup? Ça ne vaut pas le coup, je pense. Si, viens là. Viens là, vas-y. Non, mince. C'était nul. C'était trop nul, j'étais complètement à côté. Oh là, j'aurais dû garder pour lui, plutôt. Mais il a déjà plus de vie, lui. Ah ouais, mais attendez, maintenant c'est chaud. Non. Ah oui, il regagne toutes ses vies derrière. Ah ouais, non, je suis mort. Ok, dommage. Pourquoi il joue pas, lui? Non mais ça m'arrive tout le temps d'être dans des parties où il y a des gens qui jouent pas. Genre, ce qui est clairement pas drôle du tout. Parce que genre, tu peux pas jouer. Enfin, tu peux pas gagner s'il y a des gens dans ton équipe qui ne jouent pas. Oui, parfait. Je l'ai eu, le mec qui avait toutes les étoiles. Attendez, lui, il est facile. Il est facile à avoir, lui. C'est bon, parfait. On a plus d'étoiles. Mais pourquoi il se cache et il bouge pas? C'est nul ce qu'il fait. Quel crétin. Oh là 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 là. En fait, on joue à deux, quoi. Bon, on est en train de gagner, mais pas beaucoup, hein. Et si je me fais tuer, et ben voilà, mince. Mais il ne fait rien du tout. Mais c'est ouf, il fait rien. Parfait, on est égalité. Oh non, égalité. What? Ok. D'accord, égalité. Bon, mais on a quand même bien joué, hein, parce qu'on a fini à égalité alors qu'il y avait un mec de notre équipe qui jouait pas quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Bref, alors, on ouvre celle-ci. 14 pièces, très bien, enfin non, très nul, mais bon, pourquoi pas. Encore. Ah, je vais avoir une boîte de plus en plus à la prochaine partie que je vais faire. Boule, Rita, enfin Nita plutôt. Ensuite... 20 pièces, Poco. Bon, c'est un peu la misère quand même, les boîtes que j'ai ouvertes là. Hein. Je suis désolé, mais c'est quand même pas ouf. Hein. Y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ah! Oh, El Costo! Ah, c'est cool, c'est mon premier rare, je crois. Non, mais c'est cool parce que j'ai l'impression qu'il est super fort. Genre, quand je vois les autres qui jouent avec El Costo, j'ai l'impression qu'il nous défonce sans problème, donc je suis content. El Costo attaque ses ennemis à coups de points destructeurs et quand vient l'heure du super, il se lance sur une zone le coude en avant. D'accord. Bon, bah parfait, c'est cool. Bon, et bien, il va être temps d'aller au magasin et d'acheter ceci avant que ce soit terminé. Alors, attendez. Oui, voilà, parfait. Et... vas-y, process, voilà, c'est parfait. J'espère bien que ça s'est bien passé le paiement quand même.
Ah oui, non, j'ai les 170 gemmes et après, je vais avoir les packs. Ouais, voilà, les méga boîtes. Donc là, j'ai pas le choix, les méga boîtes, je peux les ouvrir que maintenant. Ok, les amis, souhaitez-moi bonne chance. Ah. Ah. Il y avait pas de brawler, je crois, alors. D'accord, peut-être à la fin, non? Par contre, on gagne énormément de points de pouvoir, c'est dingue. Ah ouais! Genre, j'ai l'impression que tous les points de pouvoir de tous mes persos ont doublé, là. Ok, 8 gemmes, très bien. Enfin, non, très bien, très moyen quand même, mais bon, c'est comme ça, et... Ah, pas de brawler, je pense. Tant pis, c'est pas grave, on en a quand même eu un. J'en ai quand même eu un nouveau, je suis plutôt content. Que j'ai eu dans une petite boîte, quoi. C'est un petit peu dommage, mais bon. Ah! Pas mal, d'accord. Oh, oh, oh! Ah, ils peuvent arriver à la fin et... Ouah, super rare! Daryl! Daryl tire avec ses fusils à double canon pour son super. Il rentre dans son tonneau et déboule à travers l'arène. C'est donc pas mal, j'en sais rien. J'ai vu peu de gens le jouer. Je l'ai déjà vu, hein, mais pas souvent. Pas souvent. Une offre spéciale pour avoir atteint le niveau 5. Ah, mais ça coûte pas cher! Ah, mais attendez, mais ils vont pas me faire le coup à chaque fois quand même! Bon, allez, allez, je prends. De toute façon, c'est le début du jeu, j'aimerais bien avoir un maximum de brawlers, et, ok, vas-y, voilà, très bien, et après, après, de toute façon, je pense que j'arrêterai un peu, mais j'aimerais bien avoir un légendaire, ce serait trop bien, en même temps, c'est beaucoup moins cher que Pouni Pouni aussi, hein. Allez, non, Nita, 9, mais c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque! Attendez, est-ce que c'est bon signe quand on gagne peu de points de pouvoir? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un truc de dingue à la fin? Je ne suis pas sûr. Ah non. Dommage. Ouais, bon, elle était un peu moisie, cette boîte. Hein. Elle était un peu moisie. Bref, en tout cas, les offres qu'ils font, c'est plutôt pas mal. Alors, les gemmes vertes, dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que c'est bien que je les garde? Ou est-ce que je peux les dépenser pour avoir des skins? Parce que genre, par exemple, moi, j'aime bien le skin panda de Nita. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que 30 gemmes, c'est pas cher? Genre, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec les gemmes qui sont plus intéressantes qu'acheter des skins? C'est ça ma question. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et moi, dans tous les cas, je vais jouer... déjà, je vais améliorer lui. Voilà. On peut le réaméliorer encore une fois. Parfait. Et je vais jouer avec lui aujourd'hui. Non? Pourquoi? Ah d'accord, ouais, c'est bon. J'avais pas confirmé. Parfait. Voilà, et je vais jouer avec lui. Je vais le découvrir un peu. J'ai invité des abonnés. Enfin, je pense que ce sont des abonnés. Enfin, ce sont des gens qui sont dans la... dans le clan. Donc, Phoenix, il m'a demandé que je l'invite. Alors, je l'invite. Et Banana, je crois que j'ai déjà joué avec lui. Et il est plutôt fort. Donc, voilà, je les ai invités. Et on va faire plusieurs modes comme ça. Alors, je vais tourner. Hein. Je pense qu'après la partie, je les retirerai. Je mettrai d'autres gens. Mais... je pense que je vais faire ça durant les vidéos, en fait, de ce jeu. Il y a moyen que, justement, à chaque vidéo, je joue avec des personnes un peu différentes. Ça pourrait être cool. Alors, j'ai du mal à me contrôler, je sais pas pourquoi, mais... viens là, toi. Ah, parfait. Ok. Pourquoi je me contrôle? Ah, d'accord, ok. Non. Lui, j'ai... Ah, mince. En fait, son ulti, c'est quand il saute, c'est ça? Ah, mince. Ah, j'ai plus de vie. Ah, ouais, d'accord, j'ai plus de vie. Ah, ouais, non, c'est pas cool, ça. D'accord, non, bah ouais, mais lui aussi, on aurait dû le sauver en fait. Non! Il avait pas de vie! Oh non! C'est honteux, il avait plus de vie! Ah non, en fait, c'était pas un ulti, c'était ce truc-là qui est... D'accord, ok, j'avais pas compris. Non mais, Mama, là-bas, ça sert à rien qu'elle fasse son attaque à distance. Qu'est-ce qu'il fait, Yanis? Bon, bah, Yanis, désolé, mais... fallait bouger un peu, donc c'est quoi ça? Ah si, j'ai déjà vu cette attaque! Ah ouais, si, si, j'ai déjà vu des gens la jouer. Salut, salut. Non, 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 tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Tu l'as, plus de vie. Ok, d'accord. Ramasse les gemmes, reviens, reviens, reviens. Si tu te fais tuer, c'est pas grave, on te protège, on te protège. Parfait. Super. Bon, maintenant, il suffit juste de le protéger et on va normalement gagner. Enfin, il y a des chances. Parfait. Allez! Bim! Non. Mais quoi? Pourquoi ça lui a pas fait de dégâts? C'était peut-être parce que le match était terminé. Mais j'ai l'impression que je m'en sors pas mal sur ce jeu, en fait.
Genre, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas eu trop de défaites. Je trouve que c'est pas si difficile que ça, mais bon, c'est certainement le début. Hein. Au début, les joueurs, ils ont pas un très très haut niveau. On va faire une autre partie avec eux, et après, on va changer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je sais pas comment ça marche. 5 vs 1, je sais pas comment ça marche. Bah, je peux pas. Ok, très bien. Prime. Bon, par contre, je suis pas très fan de El Primo, en fait. Hein. Je suis désolé, mais je suis pas extrêmement fan de ce perso. Hein. Je trouve que... Bah, le problème, c'est que... Enfin, j'ai envie d'être beaucoup au corps à corps, mais j'ai l'impression qu'il a pas tant de vie que ça. Donc, non, je suis pas ultra satisfait. Mais je vais essayer l'autre, là, l'autre que j'ai débloqué, le super rare. Je vais l'essayer juste après, cette partie. Alors... Ça, il faut récupérer les étoiles, il faut tuer les joueurs qui ont le plus d'étoiles, et si t'as beaucoup d'étoiles, vaut mieux pas que tu meurs, en fait. Enfin, je pense que vous connaissez ce mode de jeu, hein, mais bon, on ne sait jamais. Non, non, non. Ok, très bien. Mais vous m'avez dit qu'avec ces persos, je crois, hein, El Primo et tout ça, le mieux, c'était de rester caché et d'attendre qu'ils arrivent, et genre, les frapper quand ils arrivaient. Le problème, c'est que, genre, sur ce mode de jeu, il y a quand même peu de chances qu'ils arrivent vers moi, en fait. Ok, c'est très nul. C'est très très nul ce que je viens de faire. J'ai un peu de mal avec son ulti à lui, hein, je suis désolé. Mais on gère là, on s'en sort pas mal, c'est cool. Et toi? Et oh, non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, mais Bartaba là, il est chaud. Hein. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Ah, mais ils sont tous morts. Ah ouais, mais non, mais ils savaient où j'étais, ils sont pas débiles. Ah ouais, bon, ok, très bien. Là, je ne gère pas du tout. Je pense qu'on est en train de gagner grâce à eux et absolument pas grâce à moi. Regardez les étoiles. Non, non, mais attendez, mais je me fais défoncer. Alors moi, je sais pas jouer les mecs au corps à corps non plus. Il y a beaucoup de trucs que je sais pas jouer. Hein. Genre, je sais pas jouer les soigneurs, je sais pas jouer les mecs au corps à corps. Moi, je sais rien jouer, en fait. Il est mort. 22 à 16, ce serait bien le moment de ne pas mourir. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais... Mais ouais, il a une portée qui est vraiment ridicule, c'est ouf. Faut faire attention, là. Faudrait peut-être se planquer, non? C'est bon, je l'ai eu, mais je vais mourir. Je vais mourir. Ah non, même pas? Ah ouais. Ah, dommage! Dommage! Bon, c'est pas grave. Normalement, on va gagner. S'ils vont se planquer, on gagne. Planquez-vous! Arrêtez d'aller au corps à corps, on gagne! Allez, j'arrive, je vous défends, voilà. Je vous défends, je ne sers à rien, comme d'habitude, mais... Ok, bon, d'accord. C'est pas mon mode préféré, celui-là. J'aime beaucoup le mode de survie, sauf que le mode de survie, on peut pas le faire à 3, mais je l'aime beaucoup. Allez, on va faire d'autres parties pour terminer cette vidéo. J'ai changé de perso, donc j'ai pris celui, je sais même pas comment il s'appelle. Mais l'autre que j'ai débloqué, là, le super rare. Et on est avec Adil et Hugo 2B Smiley. Voilà, c'est son nom. Pourquoi Adil ne se met pas prêt? Adil. Ok, je comprenais pas. Mais ça buguait aussi peut-être un peu parce que j'avais quitté l'application entre temps, j'ai eu un bug. Alors, comment ça marche? D'accord, en fait c'est aussi un pompe, mais c'est genre plusieurs pompes. Lui, boule, il est violent, hein. Il est violent, voilà. Comment ça marche ça? Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'il se met à rouler. Il est mort? Ok, parfait. Bon, pour l'instant on a quand même pas beaucoup de gemmes, hein. Ça c'est un peu dommage. En fait, faut être au corps à corps pour faire plus de dégâts. Enfin, c'est un peu le principe du pompe. Le pompe, généralement, si t'es pas au corps à corps, tu fais pas grand-chose. Mais bah, c'était Bartaba, là? C'est Bartaba qui nous a foncé dessus? C'est pas très malin, hein. Ah non, je vais mourir, je vais mourir. J'ai eu de la chance de pas mourir. J'ai eu énormément de chance. Ils l'ont tué quand même, d'accord, très bien. Parfait, je veux les gemmes. Oh non, non, non. Boule, boule. Mais arrête, sérieux, boule, il s'est sauvé. Non, non. Ah, qu'est-ce que je fais dans le camp des ennemis? Qu'est-ce que je fais dans le camp des ennemis? Oh, quel crétin, quel crétin. Pourquoi je suis allé dans le camp des ennemis? Ah là là, c'était complètement débile. C'était ridicule ce que j'ai fait. Ok, très bien.
Bon, il va peut-être mourir, mais il a qu'une seule gemme, donc c'est pas grave. Oh là, ça fait mal. Viens ici, Hugo. Non, 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 non. Ils vont gagner. Ils vont gagner. Ouais, ils vont gagner, là. Pas sûr, si, si. Bah, il s'est pas très bien visé, on dirait, mais tant mieux. Le compte à rebours a commencé pour l'équipe rouge. Mais attendez, mais non. Mais on va gagner, là, non? Ah, c'est nous qui avons 9 gemmes. Ah, ils en ont 10, ils en ont 10. Le problème, c'est que s'ils s'enfuient, nous, on va en avoir 10 aussi, des gemmes. Bah ouais. Ah non, mais ils en ont 11. Ah, j'avais pas remarqué. Dommage, dommage, on va perdre. Ah, c'est dommage. Parce qu'il y en avait un qui était planqué avec ses 8 gemmes, là. Mais attendez, mais c'est moi qui avais toutes les gemmes de l'équipe? D'accord, je sais pas trop. Allez, on rejoue. Mais pourquoi ils ont quitté? On rejoue, on rejoue. C'est parti. On fait une dernière partie. Toujours avec Adil et Hugo 2B. Je sais pas parce qu'ils sont partis, ils sont revenus. Donc je sais plus si c'était les mêmes. Mais je crois que c'était ça. Allez. J'aime pas trop ce terrain. Hein. Je suis pas fan. Hein. Viens là. Allez. Non, je vais mourir. Ok, c'était sûr. C'est sûr. Mais prenez mes... J'avais des gemmes. Oui, j'en avais, je crois. Mince, on se fait laminer. C'est incroyable. Ok, je... D'accord, très bien. J'arrive et je me fais règle directement, quoi. J'ai rien pu faire. Très bien. Il joue pas si mal, hein. Non, 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 non. Il joue plutôt bien, d'ailleurs. Lui, il a 2 gemmes. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il a 2 gemmes, le mec. Va te cacher. Très bien, d'accord. Mais eux, ils en ont déjà 8. Je suis sûr, c'est lui, là, le L costaud, là. Mais ouais, c'est ça. Mais j'arriverai jamais à le tuer. Mais c'est quoi, cette blague? Genre, je suis au corps à corps. Ah oui, mais oui, c'est vrai que lui, il fait des dégâts au corps à corps. Mais, oh là 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 là, on s'est fait défoncer, c'est incroyable. Je suis sûr, c'est lui qui a toutes les gemmes. Ah non, c'est même pas lui. D'accord, je suis mort. Non, c'était Boule qui avait toutes les gemmes. On dirait bien. Ok, bon, bah, on a perdu. Dommage. J'espère pas perdre trop de trophées, quand même. En même temps, avec ce perso, j'en ai pas. Bah ouais, je peux pas en perdre, j'en ai pas avec ce perso. Ça explique tout. Bon, ça va être la fin de cette vidéo, mais juste avant, je vais ouvrir la dernière boîte que j'ai. Parce que j'en ai redébloqué une dans cette vidéo, donc allons-y. Et des pièces, des points de pouvoir pour lui, 4. Génial. Ok, bon, c'était inutile, ça ne servait absolument à rien. Bref, les amis, eh bien, nous, on va en rester là pour cette vidéo de Brawl Stars. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut !